Dites-moi, tu veux lui dire bonjour ? On a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière. La salle de bal est fermée, la sécurité est en alerte. Victor, tu nous dis où est la sortie ? Vous vous rejoignez l'allée devant. Suivez les projecteurs. Je vais chercher la voiture. Sbagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Spero solo di beccarti tutti con la pallotta va in testa! Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno! Fait prendre des flingues finalement. Falso allarme. J'aurai un bon point de vue. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno.
Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa. Resta concentrato. D'accordo. Voilà la salle de bal. L'allée est juste devant. Ok. Comme sur des roulettes. Personne ne m'a repéré. Je vais la jouer cool et sortir d'ici tranquille. Excusez. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là? Oh, mais vous non plus. Voilà ce qu'on va faire. Si vous ne me dénoncez pas, j'en ferai autant. Tu as quelque chose que je veux. Et tu vas me le donner immédiatement. Vraiment? Eh bien, je suis très flatté, mais malheureusement, je suis déjà en couple. Alors maintenant, je vais y aller. Je suis pas d'humeur pour tes petits jeux. Donne-moi le crucifix. Madame, vous avez beaucoup de chance. Je suis un gentleman. Est-ce que c'est... Ah oh. T'aurais fait quoi? Ok, c'est bon. Mais oublie pas. Je voulais pas faire ça. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Pas mal tenté. Ça, c'était pour moi. Tu vas me donner cet artefact. Tu sais que tous les artefacts qui sont là, ils ont été volés. Leur vraie place est dans un musée. Taper sur les nerfs. Bon, écoute, ça doit être le meilleur agent. Et si on disait qu'on les quitte? Bordel. T'en as eu assez? Ou tu préfères continuer à faire le malin? Tu sais, toutes ces choses que tu casses, elles ont de la valeur. Si tu continues comme ça, on va se faire virer. Arrête! Il est dans ma poche arrière. Où est-ce qu'il est? Tomber sur ton ami Nadine Ross. Vraiment charmant. Ouais, bon, c'est un bordel pas possible ici. J'essaie de maîtriser la situation, mais tout le monde flippe. Je voudrais pas vous stresser, mais maniez-vous le train. Attends, où est-ce que t'es ?
Bonne question. Et toi? Près de la salle de bal. Si tu vois un panneau rond, c'est que t'es sur le bon chemin. Un panneau rond, ok. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un flingue. Allez, magne-toi. Je m'accroche. Je peux pas venir te chercher d'ici. T'as un moyen de descendre? Ouais, il me semble, ouais. Super. On se retrouve dans l'allée alors. Dirige-toi vers la salle de bal. Ok, à tout de suite. J'ai entendu. Thank you.
jusque dans la salle de bal. Attends, je suis coincé ici. J'aurai besoin d'aide. J'arrive, Sam. Parfait. Laggiù, ho sentito qualcosa. Andiamo a dare un'occhiata. Ces enchères. Non, moi non plus. Bon les gars, les GG ont le programme. Il y a trop de gens qui essaient de partir, la ligne est pleine à craquer. Bien joué. Et merde, c'est quoi le plan B? Nathan, ils ont appelé des amis. Faut vite qu'on se tire de cette pétonnière. Sully, on va pas tenir bien longtemps. Tiens mon petit, je suis pas très loin. C'est bien, Ronnie. Allez-moi. J'en ai plus pour longtemps. Tu viens encore billard ou quoi? Dépêche-toi.
C'est vraiment enfoiré. C'est ton frère? Tiens donc, une tête de mort. C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avril. Qu'est-ce que c'est? Odier, mecum eris in paradiso. Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit à Saint Dismas sur la croix. Ouais. Mais... Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sorte de code? Ou un numéro de téléphone? C'est évident. Ce sont des dates. Hein? Regarde. 1659. C'est l'année de naissance d'Avril. 1699? Laisse-moi deviner, l'année de sa mort? Oui, d'après la plupart des récits, mais ça veut dire qu'on a l'année de sa naissance, l'année de sa mort et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avril. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Rafe passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok? Tenez. Regardez. L'agencement des lieux est très inhabituel. Là, c'est la cathédrale, mais le cimetière, lui, est excentré. Rafe concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Écosse. Ok, attendez. Vous vous rendez compte que Rafe sait que vous allez venir? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. C'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais... après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Rafe est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allô? Salut, c'est moi. Non, je me capte super. Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam, je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça? Pourquoi t'es là, Victor? Ben, parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Ouais. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu, ce qui est parfaitement vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Sam aura besoin d'un coup de main. Eh ben, j'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Écosse à cette période de l'année.